Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Nous, on est les Suricates Gourmands. On est ravis de vous retrouver comme chaque fin de semaine pour une petite idée de recette. Je le dis bien, on n'a rien inventé. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Freddy, qui est derrière la petite Bonjour. caméra. Et alors aujourd'hui, parce qu'on est le premier week-end du mois de mars, c'est bientôt le printemps, on avait envie de vous proposer une recette simple, facile, Et pas cher. pas chère. Alors, cette recette qui est quasi printanière, c'est quoi cette recette, Marianne? Duo de betterave et chèvre frais. Duo de betteraves rouges et chèvre frais. Alors là, on ne s'est pas embêté. Ça, c'est une recette. Vous avez des copains qui viennent le samedi ou le dimanche. Vous avez l'épicerie. Vous en avez pour une demi-heure à faire le montage. On y va pour les ingrédients? Oui. Alors, duo de betteraves. Certains appellent ça un millefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des betteraves. Betteraves rouges. Ah, celles-ci ont été achetées. Elles sont cuites, épluchées, sous vide. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Parce que si vous achetez les betteraves crues, il va falloir compter au moins 30 minutes ou 60 minutes, donc ça coûte cher. Donc là, on y va De directement cuisson. de cuisson. Oui, donc ça c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Oui. D'ailleurs, on les achète toujours comme ça, on ne fait pas cuire les betteraves. Elles sont très bonnes. Donc, betteraves avec, tu as dit, chèvre frais, qu'est-ce qu'on a Oui, là? 400 grammes de chèvre Voilà, frais. 2 petites tonnes de chèvre frais qu'on va mélanger tout à l'heure avec, on revient ici, Marianne. Des 6 tiges de ciboulette. Oui, 1 douzaine de tiges de ciboulette. C'est une recette pour combien de personnes? Pour 3 Voilà, personnes. puisqu'on est trois, la maman, le papa, la fille. On va bien sûr. Alors, on ne met pas de miel dedans, parce que nous, on n'a pas envie. On va pas. Le chèvre se suffit à lui-même. On va parler de ce qu'on met dans le chèvre frais. Une échalote, Une échalote ciselée, un petit peu de de. sel, un Très petit peu peu. de poivre. Voilà. On va incorporer donc la ciboulette. À côté de l'assiette, dans la présentation, on mettra un petit 100 peu. grammes de mâche. Voilà, à peu près, c'est pour trois. Et ça, c'est le petit bol qui va nous servir à monter la vinaigrette. Attention, celle-là est particulière. On s'est fait un petit extra, on s'est acheté un demi-litre de vinaigre, D'huile. d'huile extra vierge de Grèce. Elle est très bonne. D'huile Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, de l'huile, bien sûr. d'olive. Et on a du Vinaigre. vinaigre balsamique de Modène. Voilà, Oui. ça c'est pour faire une petite sauce C'est sympa. une cuillère à soupe de Oui, on vinaigre fait un tiers, balsamique. deux tiers, hein, mais on verra de toute façon tout à l'heure comment ça va se passer. Oui. Et Oui, et puis on a cette oui. petite machine magique là, dans laquelle on Oui. va faire l'oignon et la ciboulette pour préparer. Oui. Et pour Échalote. Qu'est-ce que j'ai dit? oignon. Oh, bah décidément aujourd'hui, Oui. hein. Et T'es pour pas réveillé. Non. oui. Et pour les betteraves, il faut des gants jetables. Alors Ah ça, ce sont oui. des gants alimentaires. Hein. C'est quand même mieux parce que Jetables. sinon, c'est vrai que c'est ça tient sur les mains. Donc gants alimentaires jetables. Alors écoutez, on va préparer tout cela. Marianne va faire le finir l'épluche, va préparer tout à l'heure le fromage. Et puis Freddy fera le montage. Allez, à tout de À suite. tout de À tout de suite. suite. Voilà, on y est pour la suite de la préparation. Alors, Marianne, on récapitule. 400 grammes de Chèvre frais. fromage de chèvre frais, une échalote C'était le qu'on chèvre a qui était coupée, ciselé, oui. de la Oui, ciboulette 1 dizaine de tiges de ciboulette. Ça, c'est prêt, sel, poivre, un peu d'huile d'olive. Ça, c'est Freddy qui va faire la préparation. Alors, regardez, parce qu'on a oublié de vous dire que c'est quand même fait avec des rondelles, puisque c'est ce qu'on appelle un millefeuille. Ça. On va le garder pour décorer l'assiette à côté. Vous voyez Je ces vois petits pas bouts? du tout. Ah, pardon. Comme ça, comme ça. Là, on va préparer des petites tranchinettes. Voilà. Alors, on a mis un petit peu de papier de film alimentaire. D'accord? Ça fait. Ça, on reprend cette entame qu'on va couper comme ça, qui va servir à mettre autour de l'assiette pour faire joli. Voilà. On en refait une pour vous montrer, mais c'est assez simple. Donc, ça c'est l'entame. On va la couper comme ça, en quatre. On met des gants parce que Ouais, parce que ça tache beaucoup le. oui. Hein? Ce sont des gants alimentaires. Des petites tranchinettes pour monter. Voilà. Là, je pense que ce sera Là bien. c'est bien. On va faire une assiette. Hein? Ça, on va le réserver ici. Et ensuite, ça, c'est prêt pour mettre autour de l'assiette avec la petite mâche. Regardez. On va switcher maintenant. Voilà, c'est Freddy qui prend la main. Alors, on y va. On va commencer à mixer, à écraser ce fromage À de la chèvre fourchette, frais à la oui. fourchette. Ensuite, on va incorporer Là, c'est l'échalote. oui. C'est pas compliqué, vraiment, ça c'est une petite entrée sympa. Nous, On met pas le sel avant, peut-être. l'échalote, on terminera avec les l'assaisonnement à la fin. Oui. Voilà, l'échalote, Marine va prendre ça, c'est très bien. La Alors, ciboulette. la ciboulette du jardin. Oui, elle est belle, là. Elle a bien repoussé, là. Ça sent bon.
Voilà. Ça fait un petit mélange. Alors, grossièrement, il faut. Oui, parce qu'après on va tartiner les tranches de betterave. Alors maintenant, on va mettre une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Pas trop de sel parce que Oui. le fromage est salé. Salé. Et une petite pincée de poivre. Voilà. Et je mélange et puis voilà. Et on va mettre une petite lichette de l'huile d'olive dessus. Oui, j'avais oublié. Voilà. Comme ça donne du goût. Certains y mettent du miel. Encore un petit peu. Ça va très bien, celui de l'olive avec le fromage de chèvre. Hein. Vous savez que ça, c'est une recette qui vient du sud, hein, du sud de la Méditerranée. On mélange. On mélange bien. Voilà, on mélange bien, voilà. Voilà, c'est Voilà. bon. Bien mélangé. Voilà. C'est vraiment très simple à faire. On le fait en famille, hein. C'est avec nous, on cuisine en famille, hein. Donc ça, on le fait avec les enfants. Il y a encore certains qui sont en vacances scolaires, donc profitez-en. Voilà, là, on est pas mal. Alors, Voilà. ce qu'on va faire, on va faire le montage. On va le faire ici, le montage. On va enlever les couverts. Alors, on va tartiner les rondelles de betterave. Oui. On y va? On prend. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je mets un autre camp parce que je voudrais pas me rougir les mains. Ah, je suis Oui? désolée. Ah, elle parle pas fort, hein. Non. Faut tendre l'oreille, hein. Allez, Allez, on y on va. va faire une petite tartine. Petite tartine comme ça c'est bon, c'est frais, hein. Oui. Et puis une fois que l'assiette sera montée, ou les assiettes seront montées, pas trop parce qu'on va remettre une petite rondelle par-dessus. Oui. On met au milieu. On va en tartiner une deuxième. Oui, donc c'est important de le mettre une petite demi-heure au réfrigérateur. Ça sera encore meilleur, frais comme ça. On va faire un deuxième montage. Si vous voulez faire un petit peu de genre, vous mettez un cercle, mais ça se passe très bien comme ça. Oui. Et puis on va dire une troisième. Voilà, Et une ça se mange dessus. vraiment sans faim, c'est très frais. Voilà. Ça c'est joli ça. On va préparer un petit papier absorbant pour enlever ce qu'il y a autour. Alors, suite du montage. Mets une dessus. Non. Ça c'est bien comme ça, on en fera deux, c'est mignon. Hein? Alors ensuite, on va mettre la mâche Oui. Et la mâche. autour. Un peu de fromage dessus, ça peut le C'est faire. vrai que c'est très simple. Très simple, c'est très bon. Travailler en silence, hein. On fait Après, tout on le va mettre tour. la sauce. Oui. Voilà. Encore un petit peu. On va pas hésiter, hein, c'est pour trois personnes. On met un petit peu de betterave, l'entame qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, comme ça on perd rien. Ça, c'est une entrée bien fraîche, hein. Voilà. Puis alors vous en mettez suivant votre goût, hein. Nous, on fait comme ça. Voyez, on termine. Il y en a trop qui voulent. Voilà. Et là, on revient sur cette petite mixture qu'on a préparée tout à l'heure. Donc on a fait deux cuillères de balsamique de Modène, vinaigre bien sûr. Et puis on a fait 8 cuillères d'huile d'olive de Grèce. On mélange bien et on va donc hop, napper Hop, autour. autour. Certains y mettent des petites noisettes aussi, certains y mettent des amandes, Des noix. des noix. Des cernes de noix, comme on veut. Nous, on fait ça. On met une petite goutte par-dessus pour faire joli. Voilà, comme ça, on est bien. Voilà. Voilà, regardez. Alors, Marianne, on rappelle ce que c'est comme recette? Duo de betterave et chèvre frais. Voilà, duo de betterave et chèvre frais, c'est sympa. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire merci aux filles. Tiens, mettez-vous là. Marianne, Freddy. Marianne, si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on dit? Mettez un pouce bleu, Voilà, un petit pouce bleu, et puis si ça. abonnez-vous, Voilà, abonnez-vous si vous le voulez. Merci Freddy, merci Marianne. Ben on vous souhaite bientôt un bon printemps 2021. On se retrouve nous la semaine prochaine. Regardez, encore une fois, recette simple, facile, pas chère. Régalez-vous, mettez ça une demi-heure au frais et mangez ça en famille. Allez, on vous embrasse, à à bientôt. bientôt. Au revoir.